Eh bien, salut à tous, c'est Nian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très très spéciale. Car aujourd'hui, je vais vous raconter mes 2 jours de rêve à Disneyland Paris. Le premier jour, on s'est levé à 4h du matin. Alors, je vais vous dire, ça pique. Mais bon, quand tu penses à Disneyland, tu te dis, ok, j'y vais. Voilà. Donc après, on a pris la voiture pour le 77, donc en Seine-et-Marne, je crois. Pour, du coup, là où se trouve Disneyland Paris. Alors, je suis quasiment jamais allée là-bas. Je suis qu'allée dans le 9-5, à la gare de Lyon, ou alors même dans le 77, mais je suis pas trop allée, ouais. Donc on prend la voiture et on y va. Donc 4 heures de route, hein. Ouais, donc même pas 6 heures ou 4 heures, je sais plus. Parce qu'on a fait une pause, voilà, de 1 heure à Orléans. Donc voilà, on est arrivé. Alors en fait, il faut savoir que ça fait 5 ou 7 ans que je suis pas allée à Disneyland. Et revenir pour les 30 ans, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. J'étais petit, donc voilà. Je vois quoi, c'est immense. On dirait une gare ou c'est Disney là où ça se passe comment là? Voilà, donc il y a un monsieur qui nous dit interdit de fumer et interdit d'avoir une. Et là, il nous dit un truc, interdit d'avoir une perche avec soit téléphone portable ou appareil photo. Alors moi, je me dis, j'ai une perche avec une GoPro, est-ce que ça marche? Donc je suis allée voir la sécurité, j'aurais demandé, ils m'ont dit oui, de toute façon, cette règle, je pense qu'elle va être tournée, tout un truc comme ça, voilà. Après, on a déposé nos bagages, on dit oula, on est où là? On est à l'aéroport, c'est parce comment? On met nos sacs, on a les contrôles, nos portables, parce qu'il y a des ondes et tout, on passe dans le truc. Bah, après, c'est normal pour la sécurité du parc. Et là, je suis émerveillée. Je suis même pas rentrée encore dans le parc, que là, je me dis, attends, mais c'est quoi ça? Parce que oui, avant, à côté, il y a Disney Village, donc voilà. Donc, le premier jour, on décide d'aller à le premier parc, Disneyland, le premier, du coup. Donc, on arrive, voilà. Alors, moi, je fais oula, stop. Et là, il y a une voix qui nous dit, parade dans 10 minutes. Et je fais, ah ouais, ça commence comme ça. Et même pas arrivé, du coup, comme je vous ai dit, il y a une parade, alors je vous mets directement... la vidéo. Vous avez vu? Ouais. Et c'est incroyable. Hein. Vraiment, moi, ce qui m'a choqué, c'est pas la musique, parce que j'ai l'impression que c'est BTS un peu. Ouais, vas-y, quoi, t'as vu comment j'ai dit? Non, moi, c'est la synchronisation. Après, c'est leur métier, voilà, ils sont payés pour ça, donc je pense, voilà. Surtout les paillettes sur le château, là. Ah ouais, ça, c'était incroyable. Donc, on a fait en premier un labyrinthe. Donc, c'est le labyrinthe de. Je sais plus comment il s'appelle. De Alice au Pays des Merveilles, voilà. Faut savoir à Disney qu'il y a de la musique partout, donc c'est bien. Mais il faut. Enfin, c'est chiant quand on l'attend toute la journée, quoi. Mais ça te donne dans l'ambiance et tout. Après, on a fait Peter Pan, Pinocchio, les Pirates des Caraïbes. Alors, ça, vraiment, les Pirates des Caraïbes. Coup de cœur. Vraiment, je crois que c'est mon manège préféré. Après, avec Peter Pan, on a fait une petite pause déjeuner. Donc, on est allé dans un restaurant, voilà, on a mangé. Je crois que c'est Hakuna Matata. Il est connu, lui. Après, nous sommes allés, aux tasses. Donc, le manège des tasses. Là, celui qui est au milieu. Et après, nous sommes allés à Buzz l'éclair, à lui. Vraiment, un coup de cœur, surtout avec les photos qui nous. Enfin, ils nous prennent en photo et tout. Faut tirer sur des monstres. Vraiment, ça, c'est très très bien. Donc la journée est finie, on sort de Disneyland, de parc, donc carrément du parc. On va à Disney Village, on regarde un petit peu, voilà, c'est joli. Après nous sommes allés à la SNCF, on a pris un bus de ville, donc vous voyez un peu, c'est comme les métros, mais sauf que c'est un bus, mais à Paris. Voilà, où t'es pas attaché et tout.
Nous sommes allés à Ice Hotel. Voilà. Oh là là, je crois que c'est un des meilleurs moments, hein, à l'hôtel. Voilà, t'as compris. Après, voilà, on est arrivé dans la chambre. Oh là 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 là, c'était trop bien. Voilà, surtout que c'était moderne. Tout. T'as compris. Enfin, c'était moderne. Et surtout, j'aime bien les hôtels modernes. On décide de commander Uber Eats car oui, Uber Eats à Paris, c'est mieux que Alloche. Parce que oui, Alloche, il y a 20 personnes. Donc, c'est pas très efficace. Enfin, bon, j'habite à Beaulieu, mais vous avez compris, Alloche. Voilà quoi. Donc, c'est mieux, c'est mieux à Paris. Donc, j'ai pris un burger. Alors, il était un peu sec, voilà, mais. Sinon ça allait encore. Alors c'est désolé pour la lumière, hein. C'est juste que je sais pas, elle veut pas s'allumer l'autre. Donc celui-là. Enfin en fait il y a plusieurs lumières et l'autre elle veut pas s'allumer. Après j'ai pris des frites, j'ai pris du ketchup et une sauce kebab je crois. Voilà, c'était bon, c'est fini, voilà. Un bon repas pour finir le soir. Alors le lendemain on s'est réveillé, voilà, on s'est précipité parce que parce qu'on allait partir à 10h. On a pris un petit déjeuner. Alors lui, il était très bon le petit déjeuner. Après, nous sommes retournés à Disneyland, donc on a refait nos bagages et tout, le scanner, le scan et tout. Et vu qu'on était allé au premier parc de Disneyland, on est directement allé à Walt Disney Studio. Et là, vraiment, je vous montre les images. C'était incroyable dès que je suis arrivée. Vous avez vu les images? Oh là là, c'est incroyable, vraiment, c'est trop beau. Nous avons commencé par Aladdin. Et après, on a fait les parachutes. Vous voyez les parachutes de militaires et tout? Ça, on l'a fait. Ah, juste pour le prochain manège, est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo Ratatouille? Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo Ratatouille? Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, j'ai fait l'attraction Ratatouille! Faut vraiment que j'écrive une vidéo. Parce que là, ça va plus loin. Donc, quand je vous ai dit, j'ai fait l'attraction Ratatouille. Alors, vraiment, je crois que c'était une de mes préférées avec les Pirates des Caraïbes. Alors, en gros, je vous explique, c'est des vidéos en 3D. Voilà, et ça m'a énervé par contre. C'est quand ils nous mettent le champagne là. Quand Rémi, le ratatouille, là, le rat. Ouais, c'est un rat. Quand le rat tatouille, il nous ouvre le champagne. Il y en a plein la tronche. Je pense que le staff ils nous mettent de l'eau dessus, mais c'est incroyable. Donc en gros, t'avais l'impression d'être dans l'aventure de Rémi. Après, nous avons mangé dans le Hollywood, donc dans la maison Hollywood. Donc je vous montre directement les images. Vraiment, c'est très très beau, voilà. Surtout c'était animé. Donc le fast-food, voilà, on a pris un burger, donc le Black Widow Edition. Je suis pas très fan des burgers avec salade, mais. Franchement, c'était bon, voilà. Avec des frites, là, comme d'habitude. D'un petit coca Disney, voilà. Et une glace Mickey. Après, nous sommes allés dans le premier parc. Donc, nous sommes repassés par le scan. Enfin, pas le scan de nous, mais le scan de la carte. Et on a fait le Space Mountain. Donc, pas le Space Mountain, le vrai. Les fusées. Bon, j'avais un peu peur au début parce que... une petite ceinture comme ça nous attachait pas, j'ai l'impression que j'allais m'envoler sur le Disneyland Park là. Après on a fait le train fantôme, alors lui vraiment coup de cœur aussi, vraiment un gros coup de cœur. Et après nous avons fait le dernier manège, et le manège je pense le plus long, c'est le Nemo. Alors lui, il nous a fait un peu secouer, comme ça là, c'était incroyable. Mais c'est vrai que moi je criais pas, j'étais comme ça. Voilà, j'étais pas très 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 serein, voilà, je me disais à tout moment il nous enlève les trucs là et oui, tombe alors dans l'attraction. Donc le spectacle des drones n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait trop de vent, je crois, un truc comme ça. Voilà. Nous sommes rentrés. Donc nous sommes rentrés en voiture, on a encore fait une pause à Orléans. On a pris des petits sandwichs, voilà. C'était bon, voilà. Et après c'était carré dans l'axe, tu vois. Et après, nous sommes revenus ici à Beaulieu. Et pour conclure un peu cette vidéo, si vous voulez vous acheter des places Disneyland, voilà, 65€ l'adulte. Donc voilà. Et 135€ l'enfant. Donc moi, j'étais considéré comme un adulte. Donc 3
trois places adultes et ma petite sœur une place du coup enfant. Donc oui, je peux comprendre que les budgets sont pas adéquats à tout le monde, sont pas accessibles, les tarifs. Mais un jour de le refaire dans sa, enfin le faire dans sa vie, c'est important parce que Disney, j'ai remarqué que c'est, enfin c'est pas comme le monde normal parce que, en fait j'ai remarqué que le monde est triste. Enfin, il est très beau le monde, hein. Mais à Disney, t'as l'impression de rêver, c'est très, bah, ça, j'en retiens un bon souvenir en tout cas. Donc je vous conseille de le faire, voilà, si vous avez les tarifs ou si vous pouvez avoir des places gratuites ou alors avec votre travail ou voilà quoi. Ou quelqu'un qui... Ou alors vous faites le gros rat et vous demandez à quelqu'un de vous la payer. Donc pour dire un dernier mot sur Disneyland, même si on est grand, même si je pense que c'est Disney pour... Enfin, si pour certaines personnes c'est pour les bébés, je peux comprendre que oui, certains dessins animés c'est pour les petits. En fait, Disney, c'est pas qu'une simple, un simple studio, c'est une icône un peu dans la vie, car ça a marqué les générations, le monde du cinéma, voilà. Donc voilà, nous rêvons avec Disneyland. Donc c'est important de rêver dans la vie. Bon, sinon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se quitte là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo. Sinon, on se quitte là-dessus. Ciao! Oh! Ciao les petits potes! Ciao tout le monde. Moi je repars à Disneyland parce que là ce monde est trop triste.